Et bonjour les cancers, je reviens pour votre horoscope semainien. On va voir quelle est la couleur du tirage. Ok. Se mettre à l'abri ou se reposer et avoir envie de passer du temps avec ses proches, on dirait que vous avez besoin de recharger les batteries en famille, il semblerait. Il y a aussi une notion de nettoyage de printemps ici pour moi. Donc c'est peut-être une période où justement faire le tri en famille par rapport à des situations ou des projets et des réunions de famille pourraient être à l'ordre du jour cette semaine pour vous. Oui, vous avez besoin de vous recharger parce qu'on dirait que vous êtes un peu, les batteries sont un peu à plat. On a besoin d'un peu plus de fun, d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus de se laisser vivre, de bien, de bon vivre, quoi. On a deux cartes qui nous parlent d'énergie qui sont pas, qui ne n'arrive pas à s'écouler fluidement, c'est-à-dire c'est comme un robinet un peu bouché quoi, ou une baignoire qui s'évacue plus. Là, il y a vraiment besoin de, au niveau énergétique, vous nettoyer. Donc si vous avez des pratiques, n'hésitez pas. J'ai une formation sur le sujet sur mon site si vous voulez avoir les bases. Et on nous dit ici, un bon moyen de recharger les batteries, c'est justement de passer du temps avec les gens que vous aimez et de sortir du mode travail ou du mode choses à faire et peut-être liste de choses à faire longue comme le bras. Là, on vous dit cette semaine, essayez de prendre du temps quand même pour justement pouvoir décompresser. On a la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Donc la déresponsabilisation, ça pourrait être en lien avec des choix que vous ne voulez pas faire et finalement qui vous drainent et qui vous prennent beaucoup d'énergie mentale parce que vous ressassez. C'est un peu comme quelque chose où on sait qu'il faut qu'on le fasse. Par exemple, il y a plus à manger. On sait qu'il faut aller faire les courses. Et en fait, tu vas pas avoir d'autre choix que d'aller faire tes courses à un moment donné si tu ne veux pas crever de faim. Donc il y a cette notion de on veut reporter certaines choses à plus tard, mais à un moment on ne pourra pas les reporter à plus tard indéfiniment. C'est un peu ça l'énergie que j'ai pour vous. Donc il y a un truc où il faut pas laisser traîner sur certains aspects et sur d'autres, faut quand même prendre le temps de faire des temps de pause pour pas être complètement se monter le bourrichon avec des choses à faire qui pourront peut-être pas se faire en une journée ou en 2 heures, quoi. Donc il faut réussir à morceler les priorités et le travail pour pouvoir trouver un équilibre entre vie pro et vie perso, j'ai l'impression. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour les nouveaux horoscopes. D'ici là, prenez soin de vous.